Salut tout le monde, c'est Culino et bienvenue dans ce nouveau Let's Play Découverte. Alors aujourd'hui, vous l'aurez compris, je m'attaque à Sonic Adventure DX Director's Cut. Alors à la base, c'est un jeu Dreamcast si je me trompe pas. J'y avais joué il y a longtemps les 2-3 premiers niveaux. Et bah j'ai craqué, je l'ai acheté sur Steam. Allez hop, c'est parti. Après, là j'ai un fichier, mais c'est simplement que mes tests font. Excusez-moi. Nouveau fichier. Les options. Alors, Shifting. Langage. Alors, Voice. English et texte français. Alors non, je vais jouer au clavier. Menu, les commandes. Alors les commandes. Ok, faudra que je passe Alt Shift. Voilà, c'est fait. Je suis passé du clavier européen à l'américain. Alors, ok. D. Et c'est parti. Aventure. Select your character. Alors, on a le choix entre plusieurs caractères. Alors lui, c'était un robot de Robotnik, mais il est devenu gentil en cours de route. Allez, c'est parti. Let's get him. On voit que ça date les graphismes, les persos taillés à la hache. Alors lui c'est Chaos, c'est une créature, alors je sais pas si c'est le gardien des émeraudes du Chaos ou bien alors si ça a été généré par les émeraudes, je m'en souviens plus. J'avais regardé Sonic X il y a quelques années mais je m'en souviens plus trop. On commence bien, le premier niveau c'est un monstre. Chaos 0. Voilà, 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 comme tu patines, Sonic. Hop. D'accord, faut faire deux fois saut pour attaquer. Et voilà. Hey, I'll play with you some other time. Ok. Come on, you big drip. Where you going? La bête.
ce serait plutôt qu'ils doivent être, qu'on doit utiliser une navette dessus. Parce que là, franchement, bon, le début il est un peu mou, je le reconnais. It's Chaos, the god of destruction. Le docteur Eggman en version originale, Robotnik pour chez nous. Hein? What? Tails? Watch out! You're gonna crash! Ah! Tails! Now, what am I gonna do with you? Ouais, bonne question. D'accord, la fille, elle a une poupée de je ne sais où. Voyons voir de plus près. Oh là 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 là, comment c'est taillé à la hache, ça. Alors, chose originale, on est dans un monde semi-ouvert, je dirais, parce que je m'en souviens plus trop, mais il me semble que c'est un monde ouvert. D'accord, c'est un monstre. Oh là 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 là, on voit que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Sonic. Ça c'est le checkpoint. Oh là 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 là. En plus je joue au clavier. D'accord, je suis sorti du niveau. Bien. Alors j'ai l'impression que ça y a bug. Aïe. Ouais, ça a bugué. Ah, ça c'est le passage qu'on voit dans le trailer du jeu. Hop. On va se faire poursuivre par l'or. Pourquoi il nous poursuit, j'en ai aucune idée. Faudrait que je regarde si la manette de Xbox 360 elle est compatible ou pas. De toute façon, je vous mettrai un incrusté pour vous dire si ça fonctionne ou pas. Ah, en tout cas, la direction est horrible. Il arrête pas de partir sur la gauche, Sonic. Oh là là. Mais qu'est-ce qu'il me fout? Il bouge n'importe comment! Il bouge n'importe comment! Mais qu'est-ce que tu fous? Oh là là! Attendez deux secondes, j'ai la manette qui est juste à côté, je vais la brancher pour voir. Hop, alors on va y voir. Non, ça fonctionne pas. À moins que j'aille dans les options, je ne peux pas d'ici. D'accord. Ok, je sais même plus ce que je fais maintenant. Oh là là. Un coup il part à gauche, un coup il part à droite, c'est... Ah, c'est l'horreur sur ce format. Oh, je me souvenais d'un meilleur gameplay sur console. On panel number one. It will
take you to panels 2 and 3. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. Ah oui, d'accord, c'est ce qu'elle disait, sautez immédiatement, sinon vous tombez. Eh, mais je me dirigeais même pas vers lui! Je visais à côté, et il a... Sonic, pour je ne sais quelle raison, il a décidé, allez hop, je vais aller vers l'ennemi, sans consulter le joueur. Enfin, il s'était craché si loin que ça, Tails. Yeah, not bad. Hey, Sonic, long time no see, huh? I'm just glad you're okay. What happened anyway? You're too good of a pilot to just crash like that. That was a test run using a new prototype propulsion system. It's got a few bugs to iron out. Non, sans deck. Why not just use my plane, the Tornado? Thanks, but you gotta check out my newest power supply. Ta-da! Whoa! Ça crée joli. Yep. I just happened to find one of the Southern Emeralds during one of my test flights. This thing's got unlimited power, you know. So I figured, why not use it to power my plane? Supercharged! You gotta come over to my workshop, Sonic. I've got something I've gotta show you. It's in the Mystic Ruins. The fastest way is by train. Let's go! D'accord. Moi, à mon avis, une machine qui fonctionne aux émeraudes du chaos, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Alors, quand j'appuie sur Z, ça pivote autour de Sonic. Hop, bon, je dois aller où, moi? Ah d'accord, je dois aller... sors de la porte. Hop. Est-ce que je peux faire échappe ici? Non, le menu, comment on fait le menu? Ah, entrée. Aide et options. Commande. Oui, mais moi je... Pas comme ça. Je veux... ouais, d'accord. Titre, tout. Il n'y a pas moyen d'avoir ça pourrait peut-être m'arranger pour le... Non, je vais rester en auto-caméra. Franchement, moi, j'avais un meilleur souvenir de Sonic, mais bon, je pense que c'est parce que je joue sur PC. Donc, comment on fait ça? Non... Ah, voilà. Ok. Je suis où, là? Je suis dehors. Mais je me demandais si j'étais dehors piscine ou en dehors dans la ville. Je dois aller où? What? C'est pas ça que je voulais faire. Nous faisons des préférences pour les couples en ce moment. Ça serait gratuite pour les couples. Ah, faudra que je vienne avec Rouge, sûrement. Non, Rouge, c'est la chauve-souris. C'est... Comment elle s'appelle, déjà, la petite amie de Sonic... Ah, Ruby. Mais alors, je confonds avec... oh là là. Décidément, j'ai vraiment pas la mémoire des noms. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait un bug de son.
Hein? C'est quoi ça? Tails Workshop should be around here somewhere. Et d'accord, c'est les indications. Hop. Là. Ah, je m'en suis bien souvenu qu'il était par là à l'atelier. If it isn't Sonic! Look, it's a giant talking egg! Silence! I am Dr. Robotnik, the greatest scientific genius in the world! Whatever you say, Eggman! Enough! I've got big plans! And now, I'm gonna put them to work! You're always up to no good. Now what do you want? Va faire du mal! All of the Chaos Emeralds! Better not interfere! Or else! Ou sinon tu vas te faire détruire. Or else what, you big loser? Or else I'll take them from you by force, the hard way. Il va venir avec un robot dans lequel s'est emboîté son module de pilotage, voilà. C'est toujours comme ça avec les inventions de Robotnik, il y a sa plateforme volante. Et sa plateforme volante, elle peut s'incruster dans chacune de ses inventions. Il faut des pièces. Oh voilà, j'ai des pièces. C'est le principal. Oh d'accord, ça c'est à éviter. Alors, il doit avoir un moment où il est plus faible, alors j'ai l'attente. Voilà. Oh oh. Wouhou. All systems, full power. Là, encore un coup, et c'est bon. Waouh! Il balance tous ses missiles. Où est-ce qu'il stocke tout ça? All systems, et maintenant, il est full endommagé. Hey, I'll play with you some other time. Je crois que j'étais jamais allé au-delà de ce boss, si je me souviens bien. Well, that wasn't so hard. Aha! Oh no! Tail, gros boulet! Qu'est-ce qu'il foutait à venir avec l'émeraude dans les mains? Il pouvait pas la laisser planquer! Chaos? Oh no, isn't that the same monster I saw the other day? Et à chaque fois qu'il avale une émeraude, hop, il change de forme. His strength increases every time I feed him a Chaos Emerald. With all seven emeralds in him, he'll be invincible and work for me. Ouais, à mon avis, ça va partir en couille. And on its ruins, I'll build Robotnik Land, the ultimate city where I will rule it all. Come on, Chaos, let's find another emerald, shall we? D'accord, il utilise un explosif comme les ninjas. Sonic, we can't let him get away with this, can we? No way, Tails. Without more emeralds, the monster can't transform. So, it's up to us to get the emeralds before Eggman does, huh? Ah d'accord, direct dans le jeu. Ok, donc, hop.
Elle va me dire autre chose peut-être. Hale's workshop should be around here somewhere. Même pas. Hop. Alors on va retourner au square. Oh, sacrée lunette. Hop là. La caméra est horrible dans le jeu. J'ai quand même voilà. On va voir ce qui se passe quand on est en caméra libre. Go to the Mystic Ruins. You might find something. D'accord, donc j'aurais pas dû quitter les ruines de tout à l'heure. The train headed for the Mystic Ruins will be departing soon. Ok, ok, hop là. Je vais me rendre dans l'atelier de Tel et ça devrait le faire, je pense. Hop là. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que la caméra libre... Wow, c'est quoi ce bug? La caméra libre est mieux que la caméra... C'est quoi ce truc? Est mieux que la caméra auto. Sauf que là, je vois pas du tout où je dois aller. Ah, peut-être là. Non plus. Ouais, bah je vais sortir parce que là, c'est le gros bordel. Bon, où est-ce que je dois aller? Quelqu'un peut me le dire? C'est pas pratique parce que les touches pour les caméras sont... comment dire? Sont de l'autre côté du... Si vous voulez, pour avancer, je dois utiliser ma main droite sur les flèches directionnelles. Pour les attaques spéciales et tout ça, je dois utiliser le... Ah non, c'est bon, je peux utiliser A et E pour bouger la caméra. Je croyais que j'étais obligé d'utiliser le truc du milieu. Ok, j'ai rien dit. Alors, on va voir, hop. Toi, t'as quelque chose à te dire? Je devrais explorer cette montagne, mais je sais même pas par où commencer. Moi, à mon avis, tu dois commencer par ce rocher bizarroïde, d'une couleur différente. Je dois aller où? Ah, y a une petite cabane ici. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Oh là là, la maniabilité dans le jeu, c'est l'horreur! Au clavier en tout cas, faudra que j'essaye de. Via un petit logiciel, je connais un petit logiciel. Mais arrête de courir dans tous les sens, quoi! Je connais un petit logiciel qui permet de simuler les touches directionnelles. À mon avis, la pierre qu'il y avait devant Chitel, je vais devoir la mettre ici. Le tout, c'est de savoir comment l'attraper. Donc oui, je connais un petit logiciel qui permet de récupérer, si vous voulez, je peux configurer la manette pour qu'elle reproduise les touches du clavier, donc ça, c'est pratique pour certains jeux qui nécessitent le joystick et qu'on peut pas utiliser autrement. Par contre, j'ai pas le nom en tête. D'accord.
clan est enfin niveau. Oh là là. Je sais pas pourquoi, mais ce niveau, je le sens mal. The wind is making an invisible path. Don't be afraid. Go through the gate. Ok, je passe par la porte. Oh là là. Au revoir. Hop là. Non. Tombé. Dans le 2, c'est plus facile si je me souviens bien, parce que malgré le fait que c'était comme ici les routes en courbe et tout ça, il y avait Sonic qui suivait la route sans qu'on ait besoin de tourner. Donc par exemple là j'ai tout droit, mais si what, d'accord, j'ai tout droit, mais dès qu'il y a un virage, Sonic il prenait la courbe du virage sans que j'ai besoin d'appuyer sur la touche directionnelle. Hop là. Oh là là. Oh là là. Jump on panel number 1. It will take you to panels 2 and 3. Jump as soon as you land on a panel or else you'll fall. D'accord, ça m'a lifté le truc. Elle disait ça vous amènera jusqu'à la 2 et la 3. Mais seulement il a pas dit qu'il y avait aussi une numéro 4. Jump on panel. Oui, je sais. Voilà, comme ça. Alors, voilà, c'est dans ce sens-là. Hop. Je suis où là? Hop là. Ok. Je vais remettre en caméra auto parce que là, dans la course comme ça, ça a l'air plus pratique. Hop. Maniabilité, c'est l'horreur. C'est quoi ça? D'accord, quoi. Bon sang, il y a un truc devant qui me pousse. Je vois pas où il est. Hop. Timber. Oh, no, no.
Le fait qu'ils suivent pas la route, c'est vraiment déroutant. Surtout que s'ils ne suivaient pas la route tout le temps, encore, je pourrais adapter mon gameplay à ça. Mais là, non. Parce que des fois, il suit la route parfaitement, et des fois... Voilà, par exemple, ici, il la suit parfaitement. Mais des fois, je suis obligé de tourner en même temps, et des fois, non. Ok. Donc, chers amis, on va s'arrêter là pour ce Let's Play Découverte numéro 49. Je vous réserve un petit truc spécial pour le 50e. Donc, j'espère que ce Let's Play vous a plu. Franchement, ce jeu, recommanderais-je pas. Pas sur PC, mais si vous avez la possibilité de le trouver d'occasion sur Dreamcast ou sur autre support, je crois qu'il est aussi sorti sur GameCube, mais je suis pas du tout sûr. Je recommande plutôt la version console, qui sera plus maniable, je pense, avec un joystick, là avec le PC, avec les croix directionnelles. Allez, à plus!